mince. Je crois que j'ai commandé trop de spaghettis. Tu veux bien m'aider à finir mon assiette? Arrête de nous tenir la chandelle! Tu es connecté à mon nouveau détecteur de mensonges dont j'ai déposé le brevet. Donc si tu mens, je le saurai. Alors, est-ce que c'est toi qui as volé mon sandwich? Ce n'est pas moi, j'étais en train de faire le poirier. Et avant ça, j'ai mangé du pain perdu au petit déjeuner. Et avant ça, je dormais. Et avant ça, j'ai lu un bouquin. Et avant ça, je me suis brossé les dents. Bon d'accord, ça va, j'en ai assez entendu. Encore une dernière question. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu viens de mentir? Oui. Mais c'est parce que je ne voulais pas te faire de peine. Oh, oui, bon, je vois. Tu pourrais apprendre à m'aimer? Non. Très bien, merci. Il n'y a vraiment aucune chance pour non. que... Ah ben d'accord, d'accord. T'en es vraiment certaine? Toi, moi et l'océan, on a rendez-vous à 8h. Bisous, Aqualad. Mais alors? On a rencard, toi et moi. J'ai jamais dit oui. Mais tu es là quand même. Je te signale que tu écrases les yeux de cette tortue avec ton pied. Ne t'en fais pas, les tortues sont très résistantes. Franchement, tu te balades toujours sur le dos des créatures aquatiques. Chut, ne sois pas nerveuse. Je ne le suis pas, mais tu ne sais pas où tu mets les pieds avec moi. J'ai un faible pour la magie noire. Il paraît, je peux te montrer quelque chose. Non, n'y pense pas. Du calme. Oh, je te remercie. Alors, qu'est-ce que tu veux me montrer? Ceci. Oui, alors, je suis censée te tomber dans les bras parce que tu m'as fait voir un spectacle aquatique. Oh, regarde, ils sont trop mignons, c'est vraiment chouette comme comédie musicale, c'est trop romantique, il faut qu'on s'embrasse. Mais non, attends. Oh, c'était vraiment... intense. C'est le cercle de la vie, ma belle. J'ai pensé que ça te plairait. Je n'arrive pas à le croire. Mais pour la première fois, j'ai l'impression que quelqu'un me comprend. Tu devrais enlever ta capuche plus souvent. Merci. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que... j'y aille. Quelle aventure passionnante nous avons vécue. Ma première mission de surveillance est soldée par un immense succès. C'est drôle, tu sais, parce que en vérité, si je t'ai amené ici, c'était un piège pour t'embrasser. Comment? Mais au lieu de ça, j'ai découvert quelque chose. Il aura fallu que tu te déguises en Jeff, que tu fouilles cette immonde poubelle pour que j'en prenne conscience. Mais en plus d'être gentille, douce et d'être l'amour de ma vie, tu es un détective de grand génie. Tu as localisé le Dr Light en te servant des trois règles de base pour réussir une bonne planque. Je suis fier de toi. Jamais je n'y serais arrivée sans les conseils avisés de mon coéquipier, Robin. C'est vrai? Nouvelle règle! Ils ne font pas se payer la tête de Monsieur Jeff. Il me reste encore un dernier cadeau à t'offrir pour la Saint-Valentin, mon Roméo. Non, non, c'est pas la peine, j'en veux pas. Et maintenant, le moment est enfin venu de dire à nos cavaliers ce qu'on pense réellement d'eux. Robin, sache que pour moi, tu as toujours été comme un frère. Quand tu m'as rejeté, ça m'a brisé le cœur. Maintenant que je te vois, triste, seule et célibataire, je me dis que je l'ai échappé belle. Alors là, je t'arrête tout de suite. Je ne suis plus célibataire. Chancelin et moi, on est ensemble. C'est vrai? Ah oui? Ah, c'est génial. Bien sûr, comment c'est? J'aime beaucoup ton maquillage aujourd'hui. Ah oui? Bah, c'est vrai? Tu es une jeune fille ravissante. Wow, toi aussi, t'es très mignon. Et j'adore la couleur de ta cape. Oh, et aussi, oh, j'adore tes pieds. Ils sont toi, t'as des cheveux magnifiques. Ce que j'aime le plus, ce sont tes yeux. Merci. Ta cape va tellement bien avec ta coupe de cheveux. Merci, c'est gentil. Oh, non, non, me remercie pas. Un ami, plus qu'un ami. On devrait se faire un câlin ou s'embrasser. Oui, et passer plus de temps ensemble. Mmh. 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 C'est trop bon.
brochette croquée. Mmh. Oh, oui, vas-y, ma belle. C'est merveilleux de passer du temps avec toi. Oh, veuillez nous excuser. C'est difficile de contenir notre amour. Pendant que j'y pense, j'ai déjà passé la commande. J'adore les calamars. Oh, je sais pourquoi tu fais ça. C'est une idée géniale. Mes chers amis, vous savez quel jour on est aujourd'hui? C'est la fête où tous les amoureux se déclarent leur flamme. Tu parles de la Saint-Valentin? Oui, c'est un jour merveilleux où tout le monde s'offre des fleurs et des chocolats. Et surtout, l'on déclare son amour. Oh, c'est tellement romantique. Ce soir, on devrait organiser une fête où on danserait et où on se dévoilerait nos véritables sentiments. J'avais pas réalisé qu'aujourd'hui, c'était déjà la Saint-Valentin. Est-ce que tu veux être ma cavalière ce soir? Évidemment. On devrait tous venir accompagnés de nos fiancés. Je sais déjà qui sera mon amoureuse secrète. Sois patiente, ma belle. Sois patiente. Ouah, je crois que ça signifie qu'il ne reste plus que nous, ma jolie. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, de quoi on parlait déjà? Je m'en souviens pas. Oh. Cyborg, qu'est-ce que tu fais là? Rien de spécial, je sers de taxi à ces deux tourtereaux, tu me connais. Je rate jamais une occasion de briser un moment romantique. Les amis, regardez qui est venu nous rendre visite pour la Saint-Valentin. Non, comme il est mignon ce bébé. Tu prends au sérieux cette... Il m'a tiré dessus. Il m'a tiré dessus. Mais il me tire dessus. Ce n'est pas un simple bébé, il s'agit de Cupidon. Nous sommes réunis pour parler du coup de foudre de Cyborg pour Jinx. Starfire, nous t'écoutons. Dans le chapitre 4, l'article 7 de la charte de la bonne conduite du super-héros stipule qu'un super-héros ne peut développer d'intérêt romantique envers un vilain. Non, il a jamais dit ça. Plus maintenant. Cyborg. Très bien, d'accord, je vais parler. Ah, enfin! Je fais semblant d'avoir craqué pour elle, pour lui faire croire qu'elle peut me faire confiance. Tu crois vraiment que nous allons avaler ça? En fait, je vais lui régler son compte tout de suite. Elle est dans un café en ce moment même. Et comment sais-tu cela? Parce que je sais tout d'elle. Sa couleur préférée, le genre de musique qu'elle écoute, je sais tout d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Descends de la table. Je voudrais que tu écoutes cette chanson que j'ai composée pour toi et rien que pour toi. Il n'y a que Raven, ma chérie adorée. Quand je suis sans ma chérie, je deviens fou allié. Il n'y a que Raven, ma chérie adorée. Quand je suis sans ma chérie, je deviens fou allié. Les pieds dans le sable fin, sur la grande roue, ta main dans ma main. Pizza pour deux et smoothie et tout. Miam, miam, chérie, je t'aime comme un fou. Oh non, pas les water. Tu pars 5 secondes, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me sens si seule, je vais exploser. Je sais pas pourquoi j'ai envie de hurler. Docteur, docteur, il faut m'aider, venez vite à ma rescousse. Tout devient flou et embrouillé, je ne vois plus rien sans ma douce. Satan, je ne sais plus où je suis, je peux pas penser sans ma chérie. Je vais sombrer dans la folie. Je t'aime plus que la compote de pommes, que les pêches et les couettes, que le chocolat, la tarte aux noix, oui, plus que les chewing-gums. Je t'aime plus que la limonade, les gâteaux à 7 étages, plus que les sucettes, les chouquettes, la glace au fromage. Où je suis sûre que c'est toi, et qu'on fait un toi et moi. Où je suis sûre que c'est toi, et qu'on fait un toi et moi. Change-la. Tu as exprimé beaucoup de sentiments dans cette chanson. J'ai exprimé tous les sentiments que j'ai pour toi. Et rien que pour toi. Oh, oh ouais, Julien, bravo, mon grand. Oh, je... Oh, oui, eh bien, voilà, tu me suis. Je ne te suis pas, mais je te piste. Et Jinx, j'ai quelque chose pour toi. De la tarte à la myrtille. C'est ce que je préfère. Je sais, oui. C'est un peu bizarre. Je sais, oui.
C'est aussi très romantique. Est-ce que ça veut dire que nous sommes... Ça me plairait. Si jamais un des titans venait à l'apprendre... Si jamais un des Hive venait à l'apprendre... Alors ce sera... notre petit secret. Sachez que je ne perdrai pas une seule petite minute de mon temps si précieux à essayer d'apprivoiser quelque chose d'aussi ridicule que le sifflet. Jamais! Peut-être que moi je pourrais t'apprendre à siffler. Ok, ça marche. Ah, ici c'est l'endroit parfait pour apprendre à siffler. Il n'y a aucune distraction, il y a beaucoup d'air. Et maintenant, regarde bien. As-tu aussi remarqué ces belles lèvres? Maintenant, c'est à ton tour. Laisse passer un petit filet d'air et contrôle-le en rapprochant tes lèvres l'une de l'autre. Comme ça? Non, comme ça. Oui, tu sais siffler, Robin. Je crois en toi. Oui, qu'un vent puissant souffle par le trou de ta bouche, Robin. C'est un merveilleux début. Bah, tu sais, en fait, t'es une super prof. Ouais, tu l'enverras plus tard. Regardez plutôt ça. J'ai mis au point un super logiciel qui analyse tous les traits de ta personnalité et les associe avec ceux du super-héros qui te correspond le plus. Et pourquoi est-ce que tu perds ton temps à faire ça? Parce que Robin a besoin de prouver à Starfire que c'est l'homme idéal. Aïe! Bon, super. Alors, j'essaie. Es-tu sûr qu'il soit raisonnable de laisser une machine décider qui on doit aimer? Entrez! Et l'homme idéal pour Starfire est... Dixez-moi! Aquaman! Aqua-quoi? Ah! Oh, 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 mais pourquoi je... Mais c'est moi! C'est quoi? Oh, c'est... Oh, c'est... Oh. Ah! Le sale ordinateur! Yo, salut! As-tu encore fait appel à ton pouvoir de télépathe? Je n'ai absolument pas de pouvoir de télépathe. Parce que je t'ai eu dans la tête toute la journée. Tu portes des lunettes de soleil à l'intérieur. Je peux pas faire autrement, sinon quand je te regarde, je suis complètement ébloui, ma poule. Aïe! Alors toi et ce cher prince des océans, qui l'eût cru, Starfire? Je ne donne aucun crédit à ta machine, mais j'admets cependant qu'Aquaman est en possession de bon nombre de qualités admirables. Et il est très en forme. Y a pas que lui qui est en forme. Mais cache donc ce corps que je ne saurais voir. C'est indécent. Je vois tout, là. Robin, tu ne portes pas de haut. Et pas grand-chose en bas. C'est normal. Et je reviens de la piscine. J'ai fait 107 430 de longueur. De toute ma vie, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi blanc. Oh, quelle réverbération! Ça y est, je deviens aveugle! Je deviens aveugle!